Et bienvenue dans Science Pro. On est des pros, on parle de science, de physique et de l'univers. Tout de suite le choc, Eugène, le pronostic. Alors les pronostics. Déjà que je savais pas que l'univers pouvait avoir autant de fin. Pour moi, l'univers va continuer son expansion indéfiniment, mais attention, ça nous empêchera pas de savoir si ça se terminera par un Big Crunch, un Big Rip ou un Big Freeze. On a des doutes. On va demander l'avis de Daniel, ancien astrophysicien à la NASA. Un castre sur Marne, c'est la même chose. On a des doutes. Ah bien sûr qu'on a des doutes. Après, quand on regarde les différentes théories, leur évolution, et les fins qu'elles apportent à l'univers, l'expansion, la taille de galaxie, aussi la couleur des planètes, rouge, bleu, vert... Après, c'est la science. On va demander la théorie la plus acceptée au petit gros. Donc oui, l'univers, je crois qu'il se terminera par un... Alors non, on va plutôt demander ça à Eugène. Alors la fin n'a plus de problème, le de l'univers. On la connaîtra, je l'espère, dans quelques années. Mais, quand même, j'aurais imaginé que ça se termine par un Big Freeze. C'est classique. Mais la densité de l'énergie noire se stabilise. L'éloignement des amas de galaxies ne cesse pas. Les étoiles s'éteignent une par une. Et la température de l'univers atteint peu à peu le zéro absolu, c'est-à-dire zéro Kelvin. Alors je crois qu'il faut faire attention à la théorie du Big Rip, très en vogue ces derniers temps. Effectivement, on sait maintenant que l'expansion de l'univers s'accélère, ce qui colle plus avec la théorie que l'univers finira par atteindre une taille infinie en un temps fini. Et enfin, se finir par la dissolution de la matière. Cette théorie du Big Rip fait peur. Effectivement, elle fait peur. Alors maintenant, je demande, est-ce qu'on doit oublier le drame de la constante cosmologique. Je demande. Mais maintenant, on veut demander l'avis du petit gros. Ah, c'est... Alors oui, paradoxalement, c'est vrai que... On va plutôt demander l'avis de Daniel. Alors, moi, je sais qu'Einstein s'est donné du mal. C'est quand même le créateur de la relativité générale. Il était convaincu que l'univers était statique, comme tout le monde au début du XXe siècle. Donc, pour que ça colle avec ses calculs, il a rajouté cette constante cosmologique. Mais, manque de bol, en 1929, Hubble découvre que l'univers est en expansion. Ah là, il est bien mal, Einstein, hein. Il est obligé de supprimer sa constante cosmologique. Il la caractérise lui-même de plus grosse erreur de sa vie. Après, tactiquement, était-ce le meilleur choix? Peut-être aurait-il dû garder la constante cosmologique? Après, c'est la science. C'est la science. Mais il faut pas oublier que cette constante a été remise au jour par la fameuse énergie noire. Énergie qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Et aussi, il faut pas oublier la théorie du Big Crunch, qui décrit un univers qui se contracte pour engendrer une explosion similaire à celle du Big Bang. Une grosse explosion. En effet. Ah bon, très intéressante cette théorie. Elle a été abandonnée. Notre choix se réduit donc à deux choix possibles, le Big Freeze et le Big Rip. Et on compte sur les progrès à venir pour nous éclairer. Sans compter, bien sûr, que celui qui découvrira la fin la plus probable empochera une très belle somme d'argent. Ça donne vraiment envie d'être chercheur. Donc, verdict final, on va demander l'avis du petit gros. Bon, là, je vais être obligé d'être catégorique. Ah non, désolé, on n'a plus trop le temps. Merci d'avoir regardé notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat.